Salut à tous, c'est Dimi Sofri et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer une bande de chant. Vous êtes prêts? Pamos! Alors en général, quand on installe des bandes de chant, on les installe le long d'un champ évidemment, c'est-à-dire par exemple sur le bord d'une armoire. Ici, je vais faire ça à un endroit un peu particulier. En ce fourgon, j'ai installé de la feutrine ici et du lambris à cet endroit-là. Pour avoir une transition un peu plus jolie que ce joint de silicone, je vais installer une bande de chant. Vous pouvez acheter la bande de chant ainsi en rouleau. En fait, cette bande de chant possède deux côtés, un côté de la couleur de votre chant, donc ici blanc en l'occurrence, et de l'autre côté, vous verrez que c'est un petit peu rugueux, c'est la partie qui va permettre de coller à la surface. Ça se colle via un fer à repasser ou bien un décapeur thermique par exemple, en fait quelque chose qui va chauffer, qui va permettre de transformer cette petite bande en quelque chose de collant. Si jamais la surface est bien plane, je vous conseille d'utiliser un fer à repasser. Par contre, si vous avez un angle entre les surfaces, ça va être plus compliqué de faire passer, c'est quand même toujours possible, mais le décapeur thermique va permettre d'avoir une plus grande souplesse dans les mouvements, donc c'est ce que je vais utiliser ici. La première chose à faire, ce sera mesurer la longueur que vous avez besoin et ensuite venir couper la bande avec un cutter ou des ciseaux par exemple. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre décapeur thermique et vous allez prendre la bande, vous allez la positionner et ensuite chauffer en attendant que ça colle. Une fois que vous verrez que le dessous commence à fondre, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter et de venir appuyer fermement pour que la colle prenne bien. Alors attention, quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'ici, dans mon cas, la surface qui est là, c'est une surface qui est quand même assez inflammable, en tout cas qui peut vite fondre. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre quelque chose en dessous pour éviter que votre vêtement du dessous ou les choses à côté ne fondent ou carrément ne brûlent en fonction du matériau que vous avez. Je vous conseille de faire attention quand même à ne pas vous brûler parce que c'est fort chaud et évidemment, comme il faut lisser, si on attend trop longtemps, ça ne va plus coller et si on va trop vite, on peut se brûler. Donc faites ça doucement sans vouloir vous précipiter. Et voilà ici le résultat. Je vais faire maintenant la même chose sur le lit. Vous allez voir ce que ça va donner. Sur le lit ici, j'ai un lit donc qui peut monter et descendre. J'ai donc du lambris ici en dessous du lit, du lambris ici au-dessus du lit. Ici, j'ai le sommier et entre le lambris et le sommier, j'ai une transition qui n'est pas forcément très jolie. Donc, je vais faire la même chose. Je vais remettre la bande de chant à cet endroit-là. C'est le même principe. Je vais prendre la mesure. Je vais le découper, ensuite le chauffer et le coller pour donner quelque chose de plus propre et quelque chose de continu. Vous commencez par une extrémité. Vous chauffez. Vous aplatissez bien pour que ça colle bien et une fois que c'est fait, vous pouvez continuer pour partir bien droit. Et voilà le résultat, on obtient une bande bien propre. Vous pouvez évidemment faire ça où vous voulez, que ce soit sur des champs de meubles ou même à d'autres endroits comme j'ai fait ici, à des endroits un petit peu particuliers. Mais en tout cas, le résultat final, il donne vraiment bien. Si jamais la bande est un peu trop large, on peut toujours la recouper, on peut la poncer et on a un résultat impeccable. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego !